Félicitations les amis. Au nom du duo Kansek Lidja, je vous remets le trophée de la victoire. Le duo Glidja-Ganser remet ainsi le trophée à l'équipe championne du tournoi de l'amitié à Gonvezon dans la commune de Boïkan. Après les matchs de poule de quart et demi-finale, c'est l'équipe de Arupa FC et Sikaf FC qui ont croisé les crampons pour l'ultime rencontre du dit tournoi. Pour cette soirée, le score est resté vierge pendant les temps réglementaires. Malgré la détermination et les nombreuses occasions de part et d'autre, les deux équipes se sont séparées lors des séances de tir au but. À cette étape, c'est Sikaf FC qui a su l'essentiel avec 2-0 pour son adversaire du jour, Arupa FC. La joie est immense. L'émotion qui m'anime aujourd'hui, c'est de joie. Je suis vraiment content de ce qui vient se passer. On n'y attendait pas. Voilà ce qui vient se passer. Regarde, l'orable, il parle. Je suis vraiment fier. Vraiment, on est vraiment content de lui parce que c'est pour la première fois qu'on vient de voir ou bien de constater que quelqu'un a une bonne volonté pour nous faire développer le quartier à Gonvezon. Sinon, on n'a jamais vu ça là. Organisation d'un tournoi pour la jeunesse de Gonvezon. Le geste du duo est simplement inédit dans cette localité. La couche juvénile l'apprécie. Rien de plus beau que d'occuper sainement les jeunes pendant cette période de vacances. Nous sommes en vacances et comme on le dit souvent, le divertissement fait partie des 5 besoins fondamentaux de l'homme. Et donc en tant que politique, j'ai le droit d'assurer et de gérer le divertissement de mon quartier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté la main tendue de la jeunesse pour pouvoir accompagner ce tournoi. Ce tournoi qui est à sa première édition et qui a connu son épilogue donc aujourd'hui. Aujourd'hui, à Boïkan ou dans la 23e circonscription électorale désormais, c'est une dynamique qui évolue. C'est le duo Ganser Glidja. Et tout ce qu'on vient de faire ici, ce soir, cet après-midi, c'est la contribution, c'est la participation effective du duo Ganser Glidja que je représente ici en tant que député donc de la zone. Pour ce tournoi, ce n'est que partie remise. D'autres actions sont en perspective pour la jeunesse d'Agonvezon et toute la 23e circonscription électorale. Nous avons une panoplie d'actions à mener et tout ce qui concourt à l'épanouissement de la jeunesse, nous sommes présents, on sera toujours présents. Ça, c'est fini, mais nous allons initier un autre jeu. Ça peut être un jeu de belote ou bien, enfin, nous avons quand même trouvé un autre jeu, toujours pour animer les vacances au niveau donc d'Agonvezon et également dans les autres arrondissements et dans les autres communes de la 23e. Fin du tournoi de l'amitié. Ce fut un très bon moment de distraction. La prière est de voir cette initiative se perpétuer.